Les amis, bonjour, on a du lourd, du très très lourd pour vous aujourd'hui. Regardez ça, cette McLaren 720S Spider dans cette couleur bleue absolument magnifique. C'est vraiment une voiture d'exception. Là, on est dans le vrai monde des supercars. On va en faire le tour tout de suite. Je vous propose d'abord de faire un tour d'horizon de la voiture et derrière, je vais vous donner quelques détails pour que vous la compreniez mieux parce que ça, c'est une voiture en fait d'ingénieur et il faut la regarder vraiment sous plusieurs angles pour la comprendre. Chez McLaren, je crois qu'ils maîtrisent vraiment, vraiment l'art des pièces en carbone. Regardez les détails de ces pièces-là. La lame avant, regardez déjà, d'une seule pièce. Regardez un petit peu le design, les courbures. Rien que la lame avant, c'est une pièce qu'on a envie de mettre dans son salon tellement elle est belle. Après, il y a le capot. Là, c'est le morceau de choix, le capot. Il est en plein milieu, il est là. Et on va l'ouvrir d'ailleurs, regardez. La légèreté du capot, c'est incroyable. Et petit doigt. Alors oui, il y a des vérins, hein, on va pas se mentir, mais ça c'est pareil, c'est une pièce de carbone. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer que dans une McLaren, il y a un coffre. Il y a un coffre de 200 litres. On peut partir en week-end, les amis. Allez, on referme ce capot tranquillement et puis on va continuer à faire le tour des détails en carbone parce que je trouve ça absolument hallucinant. Au niveau des feux, regardez cette pièce-là. Tout ça, encore une fois, d'un seul tenant. Tout ça, et tout ça, c'est une seule pièce. Bon, après, quand on se prend un choc à l'avant, à mon avis, ça doit faire très très mal. La barre de LED, et donc tout ça, c'est du carbone. Ici, carbone. Les rétroviseurs, c'est simple, c'est épuré. Carbone. Tout ça, carbone. Carbone, carbone. Capot arrière, carbone. Devinez quoi? Carbone. Et ça, carbone. Bref, ah, titane. C'est une voiture vraiment de sport, c'est issu de la Formule 1. Regardez, baissez-vous un petit peu là, vous voyez là, toute cette partie là, j'espère que vous allez le voir, mais derrière, vous voyez le bloc moteur avec la partie boîte de vitesse. Encore une fois, comme sur une voiture de course, bien sûr, l'extracteur. Continue le tour. Cette pièce ici, elle est propre au 720 et elle est fantastique parce qu'en fait, vous avez en dessous des renforts de carbone et là une partie vitrée et c'est creux. C'est creux pourquoi? Parce qu'il faut clair passe en fait. D'accord? Mais ça donne ici un look à la voiture absolument extraordinaire. Et puis aussi, quand on est assis, et ça c'est rare dans une supercar parce qu'on en a essayé les supercars, vous avez une super visibilité, c'est-à-dire que vous avez une visibilité finalement à 360 tout autour de la voiture. Montez dans une Lamborghini, je peux vous garantir qu'à l'arrière, on voit rien du tout. Et bien là, ça a été pensé tout comme la garde au toit. Vous pouvez mesurer 1,90 m, et bien dans une McLaren, vous avez encore de l'espace pour mettre le casque. C'est important parce que ça, encore une fois, c'est des voitures qui iront sur circuit. On va en profiter pour faire un tour intérieur de la voiture. Sur une McLaren, quelque part,
c'est pas fait pour être joli, c'est fait surtout pour être efficace. Alors j'exagère un peu quand je dis c'est pas joli, parce que si vous regardez le design déjà ici au niveau de la planche de bord, en fait ça reprend le nez de la voiture, donc là on a encore cet esprit aéro, vraiment c'est travaillé pour. En termes de matériaux, c'est Alcantara, carbone, aluminium, on a même du titane au niveau des échappements, que des matériaux dédiés à la performance, à la légèreté et puis à la rigidité, puisque encore une fois, une coque carbone, il n'y a rien de plus rigide sur une voiture sportive. Donc rien de superflu, tout est essentiel. Ici, bien sûr, comme on dit sur une voiture de course, on a tous les réglages pour le châssis, le moteur. On a trois positions, confort, sport et track, track pour le circuit. Là, je vais le mettre en confort. Et puis le moteur, lui, on va le mettre en dynamique, en sport. Petit détail qui tue au niveau des affichages, regardez. On a deux modes d'affichage, alors il va falloir que je la démarre. Ah, ça chante, hein. Donc vous voyez, là j'ai l'afficheur 720S qui arrive. Le tableau de bord de cette 720S est particulier, puisque là vous avez un tableau de bord, je dirais classique, avec au milieu la vitesse, la jauge d'essence, etc., les informations, etc., etc. Tout ça donne peut-être trop d'informations justement quand on commence à emmener cette voiture sur circuit, puisque elle est quand même faite pour aller sur circuit. Et bien du coup, on a un mode de tableau de bord. Alors, c'est pas un e-cockpit, c'est un tableau de bord rotatif, vous voyez. Remarquez quand même encore une fois la finition carbone qui va nous donner les informations essentielles pour la piste, à savoir la vitesse engagée, le contour et la vitesse. Ça suffit pour faire du circuit. Encore une fois, c'est efficace, c'est McLaren. Fait des petits cadeaux cachés. Il y a des petits logos McLaren cachés à 2-3 endroits. On va les découvrir ensemble. Par ici. Alors, le plus visible, la plaque 720S. D'ailleurs, 720, je ne sais pas si je vous l'ai dit, hein, mais ça a rapport surtout à la puissance du moteur, 720 chevaux, S pour sport. Mais si vous avez bien regardé en allant chercher la plaque 720S, vous allez remarquer, dans le carbone ici, on a même la signature McLaren. Et il y a ce qu'on peut appeler aussi un easter egg, un œuf de Pâques. Pourquoi un œuf de Pâques? Parce qu'en fait, il faut le chercher pour avoir un petit cadeau. Et en fait, on l'a trouvé. Il est derrière une grille. Regardez ici. Le petit logo 720S. Avec quoi? Avec le profil de la voiture. Et puis, 4 litres biturbo. V8, là on a la signature au niveau moteur. Regardez le dessin de ces jantes, absolument magnifique, la finesse des bâtons, encore une fois pour une recherche de légèreté, et puis surtout le disque derrière. Les freins de cette 720S sont en carbone céramique, de manière à avoir une efficacité toujours optimale, quelque chose qui ne chauffe pas et qui garde son pouvoir de mordant. En termes de pneumatique, c'est assez impressionnant. On est sur du 20 pouces avec du 330 à l'arrière, en P0, 245 à l'avant. J'ai une question à vous poser, tiens, à propos des freins céramiques de la 720S. Regardez à l'arrière. On a deux mâchoires de frein. Alors, j'ai ma petite idée, mais je vais vous poser la question à vous. Ça sert à quoi une deuxième mâchoire de frein sur les voitures de ce type-là? Allez-y, répondez-nous, un petit commentaire, donnez-nous votre avis. Cette 720S, en version Spider,
a pris un peu de poids, mais c'est quand même contenu puisqu'elle fait un peu moins de 1300 kg. 45 kg seulement de plus que la version coupée. Alors les 45 kg, ils n'ont pas été mis dans des renforts parce que justement on a enlevé le toit. Non, en fait les 45 kg, ils ont été juste mis dans le mécanisme du toit. Pourquoi ? Parce que la cellule carbone intégrale qui compose la voiture est suffisamment solide et suffisamment rigide pour absorber justement cet écart quand on enlève le toit. En termes de rapport poids-puissance, on va avoir quelque chose qui se rapproche de 6 chevaux par kilo. Ça nous fait quelque chose d'absolument exceptionnel. Vous combinez ça à des trains roulants d'une précision diabolique. La voiture est clouée au sol. C'est absolument monstrueux. En fait, il faut être vraiment pilote pour aller au bout de cette voiture. Nous, on en est loin. Et je peux vous dire qu'on était très très loin de la mettre en défaut, même si on s'est fait plaisir. Mais toujours dans le respect des règles de sécurité et des distances barrières. La cinématique des portières est sympa puisque c'est pas du papillon, le papillon ça s'ouvre plutôt comme ça. Là en fait on appelle ça en élytre parce que c'est entre le papillon et la libellule. Alors, c'est assez joli, hein, c'est romantique, mais surtout c'est pratique parce qu'en fait l'accès à bord est facilité puisque ici en fait il y a tout le bas de caisse qui vient avec la porte. Du coup, regardez, on n'a pas comme souvent sur des voitures qui, comme celle-ci, ont une énorme structure carbone, on n'a pas un gros passage ici. Je me souviens par exemple de la 4C où on avait vraiment quelque chose de massif et puis pour accéder au siège, c'était compliqué. Là, du coup, ça nous donne un espace de la coque assez réduit, ce qui fait que pour accéder à l'intérieur, en fait, ça va être plutôt facile. Alors, surtout en Spider, hein, quand on est grand, c'est assez pratique. Et hop, on se glisse tout simplement dans le baquet. Vous remarquerez que la cellule est placé plutôt sur l'avant, proche de l'essieu avant. Pourquoi ? Parce que en fait, le moteur est en position centrale arrière et c'est pour avoir un parfait équilibre des masses entre les deux trains. Vous avez en motorisation un V8 biturbo de 720 chevaux, comme son nom l'indique, 720S. Et vous avez surtout sur toute la voiture, je vous l'ai dit, c'est une voiture très technique, ce qu'on appelle des chemins aéro. Les chemins aéro, en fait, on peut les deviner déjà de premier coup d'œil, mais on va les regarder en détail. Déjà, vous avez un premier chemin, ici en bas, qui va passer ici et qui va contourner la voiture sur la partie basse. Vous voyez, ces parties-là, ici, ça va servir à sortir l'air et à le laisser poursuivre son chemin en fait. Sur une McLaren, rien n'est fait pour faire joli. Tout est fait pour être efficace. Deuxième chemin aéro, on va l'avoir ici au niveau des phares. En fait ici, on a des entrées d'air qui vont passer ensuite par-dessous et qui vont ressortir sous la voiture ici. Et troisième chemin aéro le plus beau pour moi, regardez il est là. Sur tout le tour de la voiture, vous avez ici comme une gouttière, on va dire, hein, même si le mot est moche. Ici, ce canal, ça va canaliser l'air, ça va le faire rentrer, bien sûr, pour refroidir le moteur, mais ça va le faire également passer ici, regardez ces creux, au-dessus, pour finir sur la partie moteur également, avec des entrées d'air, et sur cette partie-là qui est une lame qui va se soulever par rapport à la vitesse, et surtout, vous allez le voir dans la vidéo, qui va faire office d'aérofrein, c'est assez impressionnant. Alors le toit est escamotable en seulement 11 secondes, ce qui est assez pratique puisqu'en plus on peut le faire en roulant jusqu'à 50 km/h. Mais vous l'aurez remarqué, il fait un petit peu beau, un petit peu chaud. Alors maintenant, on va réouvrir. Le 0 à 100 s'abat en 2 secondes 9 et c'est ce qu'on va vérifier tout de suite. C'est parti. Vous voyez là-bas les amis, c'est un piège à McLaren, c'est un piège à voiture de sport. En fait avec ça on raye le dessous des voitures. Mais heureusement, McLaren a pensé à tout. Et regardez, j'ai un petit bouton ici, tout en bas là, qui s'appelle le lift. On appuie dessus et la voiture va monter. Et elle va prendre quelque chose comme 10 cm de garde au sol. Ça veut dire qu'en fait on va passer la plupart des dodanes sans se tortiller et puis surtout sans abîmer la voiture puisque je vous rappelle que on est sur une coque carbone intégrale. Franchement ça ferait mal au cœur. Donc là ça y est, la voiture est levée, on va passer la partie pavée ici qui est piégeuse,
Donc là, on a enclenché le lift, hein, ça veut dire que la voiture s'est surélevée d'une dizaine de centimètres. Et en fait, elle va rester surélevée comme ça jusqu'à 60 km/h. Ça veut dire que si on est comme ici dans une petite ville avec des pavés, avec des dodanes, etc., etc., on la laisse en lift, puisque de toute façon, on ne va pas dépasser les 60 km/h en ville. N'est-ce pas? Et du coup, bah, on va être plutôt serein justement dans la ville. Alors par contre, le seul défaut, c'est qu'elle n'est pas très très jolie avec 10 cm en plus, hein, mais c'est pas grave parce qu'elle est quand même belle. Et au-delà de 60 km/h, bien sûr, elle se rabaisse. Remarque de Thomas derrière la caméra, en fait, cette voiture, jusqu'à 3000 tours, elle est assez civilisée en fait, elle fait pas trop de bruit. Et à partir de 3000 tours, elle déclenche l'ouragan en fait. Est-ce que c'est fait exprès, monsieur McLaren, d'avoir justement ce moteur relativement civilisé à 3000 et puis à 3000 l'effet bruit, l'effet coup de pied aux fesses et qui déclenche les feux de l'enfer? C'est vraiment particulier. C'est déjà l'heure de rendre cette McLaren 720S et si j'ai un bilan à faire, c'est juste waouh. Waouh parce que en fait, c'est une voiture absolument extraordinaire. Mais extraordinaire dans le sens vrai du terme, c'est-à-dire que c'est au-delà de tout ce qu'on peut connaître. C'est une voiture qui est folle en sensation, pardon, qui est folle en tenue de route, en accélération, en freinage. C'est une voiture sans compromis, par contre. Ça veut dire que le confort, il est aussi un peu ferme, hein, notamment parce qu'ici, on a les baquets en option sport, donc c'est des baquets non réglables, mais au moins, on a un maintien exceptionnel. Et puis, c'est une voiture qui, quand même, peut être confortable. Alors je dis pas que je ferai 800 km d'entrée avec, de toute façon avec la consommation ça serait compliqué puisque là normalement hein, en éco-conduite on doit être aux alentours de 10 litres. Quand on commence à mettre le pied dedans on s'approche plus des 20 en fait, en moyenne on va être entre 10 et 15. Donc voilà, c'est une voiture qui au quotidien, bon c'est un petit peu compliqué à vivre, mais en deuxième voiture de sport, de plaisir, ce n'est que du plaisir à l'état brut cette McLaren. Alors elle se mérite aussi, hein, elle n'est pas donnée, puisque celle-ci en version speeder, on est à 288 000 euros hors option, ça se paye. Je vous raconte pas le malus, on est maxi taquet. Bon voilà, les belles choses ont un prix, l'exception a un prix, cette McLaren est exceptionnelle, vous n'en verrez pas beaucoup sur les routes et je peux vous garantir que être au volant et vous emmener avec nous, c'est un vrai privilège. Alors j'espère que ça vous a fait plaisir, en tout cas nous on a pris un kiff monumental. N'oubliez pas, un petit pouce ça fait plaisir, si vous avez des questions, un petit commentaire, même pour nous dire on a aimé ou on n'a pas aimé, un petit commentaire. À bientôt sur la chaîne, ciao les amis. Recommence. Attends, il y a une voiture. Vas-y, passe! Juste pour cette raison-là que j'ai activé le mode race. Je vais voir l'ami Cyril qui nous présente un joli bijou. Salut, jeune entrepreneur! Tu veux rouler dans ce genre de bolide comme le Kipette ou bien travailler à la poste? Moi je dis, ma question elle est vite répondue. Ciao, jeune entrepreneur! Allez, bisous!